Les sargasses, donc, comme vous le voyez, sont des algues qui sont, telles que vous les voyez en règle générale à la télévision, sont flottantes, qui en réalité sont en général collées. Il s'agit d'une classe donc d'algues brunes, comme tu as très bien dit. Et les espèces qui posent problème actuellement aux Antilles sont des espèces qui sont holopélagiques. Il y a deux espèces en fait qui flottent en permanence dans le, enfin, quand elles sont échouées, dans le sud de l'Atlantique Nord, qui sont en fait donc Sargassum fluitans et Sargassum natans. Il y a aussi un mixte, donc je passerai les détails. Ce sont des algues qui poussent dans les secteurs chauds. Si on s'intéresse à l'histoire de cette classe, il semble que les sargasses soient apparues en fait à proximité du littoral chinois, autour de l'île de Hainan, qui est en face du Vietnam. Et puis progressivement, ces algues, dans les millions d'années qui nous ont précédés, ont colonisé essentiellement la mer de Chine et se sont répandues actuellement jusqu'en Indonésie de façon continue. Et il y a des colonisations ponctuelles par espèces, en fait, elles fonctionnent comme des espèces invasives. Un petit peu partout, dans le sens où on en a retrouvé actuellement au Tuamotu, on en distingue également au niveau du Maroc et de l'Algérie. Donc ce sont des espèces qui sont en train de coloniser les milieux côtiers, mais je parle ici d'espèces fixées. Les deux seules espèces donc, flottantes sur lesquelles on va travailler sont le Sargassum natans et fluitans, qui elles sont holopélagiques, elles ne connaissent pas du tout de stade fixé. Néanmoins, on a été nous confrontés à une population antillaise qui était persuadée que les sargasses étaient là depuis belle lurette et que les sargasses qu'ils récupéraient de temps à autre sur les côtes étaient, donc avant les grands épisodes de radeaux, étaient liées aux mêmes sargasses que l'on retrouve actuellement en grande quantité. Ce n'était pas vrai. Il s'agissait d'espèces fixées qui colonisent également les Antilles, notamment Multicom, mais qui ne sont sensibles, qui ne sont visibles en réalité que lorsqu'il y a, comme tu l'as dit, des grands événements qui en fait arrachent les sargasses, car pour se tenir érigées, les algues, donc les sargasses, utilisent en fait des flotteurs, qu'on voit ici des espèces de petites billes brunes, et ces petits flotteurs qui ont initialement que pour objectif de tenir l'algue debout, quand l'algue est coupée, enfin séparée de son socle, de son pied, amènent l'algue à flotter, ce qui produit de vastes radeaux. Et ces radeaux étaient connus par notamment en Asie du Sud-Est comme étant des marées dorées. Alors ici, il y a Trifa Youssouf qui a travaillé sur la globalisation des algues. Je suis content de sa présence, puisque quand un Asiatique appelle marée dorée une arrivée quantitative de sargasses, donc pas les sargasses holopélagiques, on s'est bien compris, bien c'est parce qu'en fait ils en font quelque chose. Effectivement, c'est une couleur brun vieil or. Mais c'est aussi parce que pour les gens du littoral, notamment mer de Chine étendue, on va dire, ou mer de Chine du Sud, c'est aussi une opportunité. Eux, on savent quoi en faire, à peu près. Aux Antilles, on est confronté à des quantités beaucoup plus importantes que ce qu'eux reçoivent très sporadiquement, parce que ce qui est reçu, le maximum que j'ai trouvé dans la littérature, c'est 20 millions de tonnes en un mois, produit en juin 2018, dans l'Atlantique Sud. Donc c'est des productions considérables. Alors, donc ces algues de milieu chaud donc, se multiplient également par reproduction sexuée, les sargassum fluitans et natans. Elles le font comme elles sont pélagiques au large, mais elles peuvent également accroître leur biomasse au travers d'une reproduction végétative. Une croissance brute qui est en plus accrue par le fait qu'on fragmenterait les sargasses. Ce que je veux dire, c'est un intérêt puisque actuellement l'une des stratégies qui est proposée par certains, c'est de hacher menu les sargasses de façon à les faire couler au large ou à la côte. Le problème, c'est qu'on risque d'accroître les effets de prolifération. Donc les sargasses ont, comme toutes les algues, besoin d'azote. Elles ont aussi besoin de phosphate, de phosphore en l'occurrence, fourni par le phosphate. Ce qui est intéressant, c'est que autant on ne sait pas pourquoi les sargasses prolifèrent, autant il y a plusieurs théories qui, à mon avis, tiennent chacun un bout de la réponse.
Il y a la théorie qui est actuellement, je pense, dominante dans le milieu, qui est celui que l'Amazone déverserait de l'azote qui viendrait de la tête du bassin versant, qui traverserait la forêt amazonienne sans être retenu par celle-ci, et après partirait de la plume et enrichirait la zone de prolifération. Ça me paraît un petit peu généreux. Ensuite, on constate, vous le verrez sur les cartes, que les sargasses prolifèrent également et s'échouent, ce qu'on dit beaucoup moins, sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un secteur où on voit une déforestation, notamment des forêts de mangroves. Est-ce qu'il n'y aura pas libération de matière organique et de nutriments dans ce secteur-là qui amènerait une prolifération? Et ensuite, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas, et heureusement, ça s'appelle les brumes de sable. Actuellement, au niveau du Sahara, vous avez des vents qui soulèvent du sable très fin, des petites poussières, et qui vont se déposer sur l'Atlantique et plus loin sur la Caraïbe. Ce sable saharien est connu pour être riche en fer et en phosphate. Cette brume de sable est, une étude a été faite en fait en Mésoamérique. Cette brume de sable suffit à alimenter 16% du phosphate nécessaire à la pousse de la forêt primaire du Costa Rica. Enfin, je n'inventais pas l'état, mais on est d'accord que c'est dans ce secteur-là. Donc on est face à des quantités importantes de phosphate qui peuvent arriver comme ça. Tout ça tombe sur des sargasses qui, et singulièrement celles-ci holopélagiques, sont habituées dans des secteurs extrêmement déprimés en nutriments. Et donc cela pourrait en fait lever des carences qui sont très nettes, puisque ce sont les sargasses dont on parle, là, les holopélagiques flutenses, latenses, sont celles qui sont toujours dans la mer des sargasses. Vous savez certainement qu'il y a, au niveau de la... au niveau de... J'ai dû mettre cette image avant. Vous avez en fait ici deux secteurs actuellement d'installation importante de sargasses. Vous avez ici la nouvelle zone qui est en gris à côté de l'équateur, mais toujours au nord de l'équateur, mine de rien, où on s'est rendu compte que les sargasses se mettent à proliférer. Vous avez en dessous des images là, je ne sais pas si vous voyez très bien les rondes de vent peut-être, mais rien, là, je doute. Cette espèce de plume blanche là correspond en fait à la télédétection de radeaux qui partent en fait, vous voyez très bien, notamment celui du milieu en bas. Donc des radeaux qui semblent partir de la côte africaine pour après s'avancer en suivant le courant sur la Caraïbe au sens très large. Comme vous voyez, donc la côte touchée peut être celle du Brésil, les Guyanes, mais en règle générale c'est une côte sur laquelle les sargasses ne s'accrochent pas, il y a trop de courant et il n'y a pas un littoral assez découpé pour que les sargasses s'y posent de très sérieux problèmes. Néanmoins, on a après des problèmes qui vont toucher toute la zone Caraïbe. Quand je parle de zone Caraïbe, ça intègre aussi donc les petites, les grandes îles, mais aussi le Mexique et la Mésoamérique, toute la zone en fait également qui va vers le golfe du Mexique. Donc là, c'est au droit du Mississippi. Spontanément, et avant que ces phénomènes extraordinaires n'apparaissent, enfin inhabituels apparaissent, on avait constaté une petite mer des sargasses au large du Mississippi, et la vraie mer des sargasses qui est donc au large de la Floride, à côté des Bermudes. D'accord ? C'est la zone grise. Donc, quand on parle de radeaux, donc on parle de ces ensembles que vous avez en photo, qui dérivent en fait suivant les courants, et bon, les vents dans une certaine mesure, au niveau de l'Atlantique Nord. On cherche une saisonnalité. Pour l'instant, on n'est pas au clair là-dessus. On n'a pas non plus un recul gigantesque. Les premiers échouages ont été constatés en 2011. Il est vrai et sérieux. Il n'y a pas les petites choses qui arrivent après un ouragan. Voilà. Durant 3 mois, les gens ont été surpris. Ça posait des problèmes, tout de suite, évidemment. Mais ça a duré 3 mois. Donc après, on s'est dit, bon ben voilà, ça ne réapparaîtra plus et fin de l'histoire. Raté. En 2014-2015, dans toute une année quasiment, les gens qui habitent dans la Caraïbe exposée, plutôt les faces est des îles et des terres, ce qu'on appelle la terre ferme là-bas, se sont retrouvés avec des échouages importants qui sont restés. En quantité et en durée, bien supérieurs à ce qu'on a vu en 2011. Et puis depuis 2018, c'est le rendez-vous annuel. Alors la saisonnalité étant quelque chose de très discutable, on tendrait, mine de rien, à constater
des proliférations printanières. Évidemment, tout ça est très très discutable. Alors, je suis assez déçu qu'on n'ait pas le grand écran, mais j'espère que le grand devant vous voyez. Voici les effets des sargasses. Quand vous avez une masse de sargasses qui arrive, elle arrive en flottant, évidemment, mais elle ne tardera pas à couler. En général, elle mettra 3 jours à couler, et ça n'est pas sans conséquences. Tout d'abord, vous allez avoir les conséquences immédiates, vous allez avoir des baies entières, et ça, vous avez vu les images de la télévision, remplies, enfin, couvertes de sargasses. Celles-ci vont colmater les baies, enfin, cette couverture va déjà rentrer dans les ports, empêcher ou fortement limiter l'emploi des bateaux, puisque ces algues vont s'entraver dans les moteurs ou dans les circuits de refroidissement. Donc ça pose un certain problème, même les plus gros bateaux. Vous allez avoir également un colmatage du biotope, et donc du coup l'aspect, comment vous dire, c'est tout ce qui va arriver à la côte, enfin au niveau du littoral, va être empêché. Donc notamment dans certains cas, des égouts par exemple se mettent à ne plus pouvoir couler. Donc ça a des conséquences qui sont pas tout à fait neutres. De même, certaines usines ont besoin d'eau, de refroidissement, bref, on s'est compris, tout ce qui est en lien avec le milieu marin doit absolument faire attention à ce qui se passe. Alors, l'aspect le plus simple, enfin, le moins grave, vous allez dire, c'est également le caractère touristique, pour nous qui sommes simples touristes ou habitants ou résidents en Outre-mer. Bon, c'est moins sympathique pour les gens qui travaillent du tourisme, évidemment, puisque si vous privez les touristes de leur plage favorite, il y a fortes chances qu'ils ne reviennent pas, ou tout du moins qu'ils se déplacent. Mais ils iront plutôt sur la face Caraïbe, qui, elle, n'est pas ou extrêmement peu exposée à ces arrivages. Par contre, le problème, c'est que ces algues vont s'accumuler sur les plages, et certaines espèces ont besoin d'accéder aux plages, notamment, je pense aux tortues marines, qui, du coup, peinent à lutter, à traverser les radeaux à coller qui sont en surface, parce qu'elles ont besoin de respirer, mais elles vont respirer ce qu'elles pourront. Donc on verra plus tard que ces sargasses ne sont pas là pour... elles vont pourrir, elles vont du coup produire des phénomènes gazeux qui peuvent poser des sérieux problèmes par rapport aux mammifères marins ou aux reptiles, d'où les tortues. Ensuite, une fois arrivées sur la plage, par exemple, il va bien falloir qu'elles creusent. Mais elles vont creuser quoi? Des sargasses? Elles ne sont pas forcément faites pour ça. La réponse du sol face à un pelletage de tortues, c'est pas la même façon. Enfin, quand vous êtes du sable, enfin, quand les tortues creusent du sable ou des sargasses, ça va pas du tout de la même façon. Et même, on verra ça plus loin, les sargasses, quand elles auront été déposées sur les plages, vont créer une sorte de couche plastifiée, j'allais dire, qui va être recouverte par le sable. Et en fait, quand vous êtes sur le sable, habituellement, vous foulez le sable et le sable s'enfonce. Et vous vous rendez compte qu'en fait, le sable, il s'enfonce plus. Il est juste couvert de... Enfin, il y a un petit couvert de quelques centimètres de sable. Et en dessous, vous avez une sorte d'entremaillage de sargasses séchées pourries qui font que, pour creuser ça, même vous, être humain équipé d'une petite pelle, vous peinez. Alors les tortues, je leur souhaite bon courage. Donc, vous voyez, il y a des effets par rebond qui sont assez nombreux. Vous allez avoir donc, et surtout si on y arrive, la consommation d'oxygène lors de la putréfaction des algues. Donc vous êtes dans un milieu qui est théoriquement riche, vous êtes sur des biotopes ou des biocéneuses remarquables aux Antilles, mais bon... Même si ce ne serait pas remarquable, ce serait quand même très dommage d'arriver à des situations où on a 0% d'oxygène dans l'eau, ce qui est observé dans des baies aux Antilles. Hein. Donc tout ce qui est vivant et qui ne peut pas bouger, hein, je pense aux algues, je pense aux coraux, passe de vie à trépas, c'est évident. Et vous allez ensuite avoir une production d'H2S. Bon là, c'est lié à la putréfaction donc, des algues. Vous allez en plus avoir des effets patents, donc visibles, différés. Donc là, vous allez avoir une modification des comportements érosifs, puisque vous allez avoir les plantes, les herbes ou les algues, enfin singulièrement les herbiers qui vont être au niveau de ces zones côtières, vont tenir le sédiment, le sable ou la vase, ou les deux. Et quand elles meurent, évidemment, eh bien, elles ne tiennent plus le sédiment. Donc, tout le caractère érosif, toute la résistance qu'elle pourrait opposer à une érosion spontanée liée au courant, eh bien, elles ne le font plus. Donc, on voit des reculs de côte.
Ensuite, évidemment, vous avez une modification des biocénoses, mais également à distance. Alors là, encore une fois, je regrette de ne pas avoir le grand, mais vous avez cette image là, je ne sais pas trop si vous voyez, même à l'avant, on voit une bande noirâtre, enfin bien noire, encore très très foncée, qui correspond aux sargasses qui, elles, sont pourries, voilà, pourries et séchées. Après, vous avez une petite bande ocre, couleur la bronze, on va dire, qui correspond aux sargasses qui vont pas tarder de la couleur de celle que vous avez juste avant. Et après, cette espèce de brume noire. Et ça, c'est lié au fait que les sargasses, quand elles sont stressées, et singulièrement, elles ne sont pas faites pour être dans ces conditions extrêmement condensées, quand elles sont stressées, elles relarguent des colloïdes. Et ces colloïdes peuvent être des vecteurs, où on n'a pas en gros très clairement l'idée de ce que ça peut faire sur la faune ou la flore, mais on se doute que c'est pas sans effet. Donc vous avez la possibilité aussi d'avoir des modifications à distance de la biocénose. Donc bref, quand on a modifié les courants, quand on a modifié le trait de côte, on a de fortes chances de pouvoir modifier le courant. Il faut aussi avoir en tête une autre chose, c'est que les sargasses, quand elles arrivent, elles opposent leur résistance mécanique à la houle. Donc c'est pareil, on peut avoir des phénomènes inverses par rapport au trait de côte. Une fois qu'elles vont pourrir, que la jeunesse va être émise, cette jeunesse va corroder les éléments métalliques. Donc l'élément métallique, c'est l'image qu'on a le plus vue, c'était les bijoux. Sur place, ils ont aussi vu que ça diminuait l'espérance de vie du matériel électroménager, au point que, voyant l'électroménager ne plus fonctionner, certaines personnes des quartiers les plus exposés ont mis leur machine à laver, l'électroménager, dans l'eau pour servir de barrage pas flottant. Vous voyez, en mode de façon à attirer l'attention des services publics. Et qu'est-ce qu'il y a aussi dans nos voitures? Il y a aussi pas mal d'électronique. Donc du coup, pas mal de voitures se sont retrouvées à ne plus être en état de fonctionner, puisque leur propriétaire était à côté de... Elle voisinait de trop près les secteurs où il y avait des émanations de la GDS. Il y a actuellement une AMR qui est portée par... je ne sais pas si elle est portée, mais dedans, des collègues martiniquais qui travaillent dessus, qui essayent de voir dans quelle mesure on peut impliquer les questions de droit autour de la... autour d'assurance par rapport à un phénomène exceptionnel pour essayer de compenser ces coûts de rachat de matériel électroménager et contenant l'électronique. Bon, évidemment, qui dit électronique dit aussi les PC qui ne durent pas longtemps. Voilà. Ensuite, vous avez, là c'est plus mon rayon, nous avions des suspicions de conséquences discrètes, immédiates et ou différées. Et vous allez voir qu'on ne s'est pas déposé pour rien. Et la première crainte que nous avions était l'arsenic. Alors, d'emblée comme ça, je vous rassure, aux Antilles, il n'y a pas de problème majeur d'arsenic. Il y a quelques fonds arsenicaux, enfin, riches en arsenic dans les secteurs aurifères en Guyane, mais c'est l'arsenic naturel, donc c'est pas. Il n'y a pas d'industrie sur place qui pourrait justifier que l'arsenic pose problème. Donc, plus les sargasses sont sèches, moins elles sont concentrées, donc il faut bien savoir que devient l'arsenic. Alors, il y a un petit souci avec cette souris. Voilà. Eh bien, ici, vous avez la concentration donc une expérience in vitro, où vous avez en heure la concentration en arsenic dans les sargasses, dans un secteur, donc un témoin exposé à l'arsenic et décapé. Donc bref, vous voyez qu'en fait, la concentration d'arsenic baisse assez rapidement. Et vous avez donc cette cinétique de décontamination qui pose la question du rôle des transsudats. Du coup, nous, on a suivi les simulations d'une laisse de mer, donc les sargasses laissées sur la côte. Et on a vu qu'effectivement, elles perdent en fait par transsudation une quantité relativement importante d'arsenic. On a des concentrations qui dépassent, évidemment, même moi, je ne vois pas bien. Bref, on a des concentrations assez élevées qui dépassent de loin ce que je dis sur les 1000 microgrammes par litre. Et donc, il y a un flux d'arsenic qui part des sargasses quand elles sont à terre. Mais également, on a simulé la pluviométrie sur 2 mois à peu près, un mois plutôt. Par rapport en gros, on a pris des tas de sargasses, on les a mis dans des situations de pression équivalentes à celles à l'intérieur d'un gros monticule que vous avez vu, là, l'espèce de stockage intermédiaire, et on a constaté qu'il y avait suffisamment d'arsenic dans ce gros tas pour produire un lixiviat qui lui était trop contaminé pour qu'on le laisse passer comme ça, il était passé énorme. Par contre, paradoxalement, c'est une circonstance où, alors qu'on avait quand même mis des quantités d'eau importantes et bien régulées, on n'a pas vu une baisse tendancielle de la concentration d'arsenic dans les sargasses.
Donc ça laisse à penser qu'il y a des phénomènes qui sont dans l'eau, ou vraiment à la côte, mais pas quand on a stocké les sargasses. Ensuite, et décidément, hop hop hop, voilà, on a fait un monticule à 8 mètres cubes qu'on a suivi avec une pente, enfin sur un secteur pentu, et on a récupéré de l'exivia, et on a pu confirmer le phénomène observé sur sous la pluie simulée, là en conditions réelles. On a donc vu pas de baisse significative de concentration d'arsenic et des lexivia assez concentrés pour exiger un contrôle strict. On était largement au-dessus des 18 microgrammes par litre réglementaire. La question de la spéciation, j'ai un petit peu abordé. Le cas classique, c'est qu'un organo, en gros, au milieu, le cas classique pour le législateur, c'est qu'on est dans un milieu dominé par l'arsenic 5, donc pentavalent, qui donc produira des organes arséniels qui seront 20 à 60 fois moins toxiques que l'arsenic 5. On arrive à l'arsenic bétaïne dont je parlais, qui est extrêmement peu toxique. Dans la situation des baies, nous, la grosse crainte qu'on avait était le fait que l'arsenic 5 qui arrive dans les sargasses devienne de l'arsenic 3, qui lui est 10 fois plus toxique, et que cet arsenic 3 métabolisé par les bactéries qui sont dans le milieu produisent des organes arsenicaux trivalents qui, eux, sont 20 à 60 fois plus toxiques que l'arsenic 3. Donc 200 à 600 fois plus toxiques que l'arsenic 5. Donc, on arrive à des seuils de toxicité significatifs sur lesquels, notamment, on se posait des questions sur pour le consommateur et singulièrement celui du vivable. Donc l'autre idée, c'est que autant vous passez d'arsenic 5 à l'arsenic 3 et inversement en très peu de temps, vous êtes sur une spéciation qui dépend exclusivement du niveau d'oxygénation. Par contre, une fois que vous avez fait des organes arséniels, que ce soit trivalent ou pentavalent, vous avez bloqué la spéciation. Donc là, on a peu de données sur l'impact, mais alors qu'on aurait pu espérer que rapidement l'arsenic 3 devienne l'arsenic 5, redevienne l'arsenic 5 dans un milieu qui redeviendrait toxique, pour le dire ça rapidement, après le départ des sargasses et le retour d'une eau bien claire. Si on s'intéresse aux organes arséniels, on pourrait avoir une conservation dans l'environnement de molécules qui se comporteraient peut-être comme celles qui finissent par bioaccumuler, bioamplifier. Donc on est par contre sur des molécules qu'on connaît très très mal. Leur devenir est quelque chose de pas du tout maîtrisé, ou à mon sens, il y a largement de quoi creuser. Et en plus, les laboratoires qui sont spécialisés pour travailler sur ces formes organes arséniels sont rarissimes dans le monde, puisque c'est considéré comme étant un non-problème. Donc, j'en ai trouvé un à Berne en automne, et ça faisait quelques mois que je cherchais. Après, alors, je ne sais pas si j'ai pas passé trop de choses, non, c'est bon. Par rapport à la chlordécone, donc, moi j'avais par contre un sentiment un petit peu différent. On avait l'arsenic, on passe à la chlordécone. On voit que les niveaux de concentration sont très élevés, donc là j'ai mis la Martinique, maintenant il y a le même résultat en Guadeloupe, voire un peu plus. Dans les secteurs nord-atlantiques, donc ça correspond en haut à droite, vous avez des concentrations en chlordécone qui peuvent dépasser les 600 microgrammes par kilo poids sec. Donc clairement des seuils qui sont significatifs et qui imposent une gestion spécifique. Donc, par contre, ce sont des secteurs qui sont déjà théoriquement interdits pour la pêche à pied et la pêche en bateau. Bon, la réalité de tout ça, c'est qu'évidemment, j'ai une thésarde qui a soutenu sur l'existence de la pêche de bivalve en Martinique, toujours actuellement, donc c'était des travaux qui ont été réalisés jusqu'en 2018, alors que l'interdiction est beaucoup plus vieille, date des débuts des années 2010, et qui prouve qu'il y a toujours une pêche à pied au moins dans ces secteurs interdits. Et il suffit juste d'avoir des yeux pour voir dans le Bedford de France des casiers à pêcheurs qui sont placés dans un secteur totalement interdit sous le nez des services de l'État. La direction de la mer, la DEAL, l'armée ne peuvent pas ne pas voir, ou la police maritime, gendarmerie maritime, ne peuvent pas ne pas voir que ça pêche dans un secteur interdit. Bref. On a par contre une très grande variabilité géographique de cette concentration en chlordécone dans les sargasses, puisque c'est exclusivement dans les secteurs où on a des cours d'eau qui ramènent de la chlordécone. Pour autant, c'est pas forcément qu'une bonne nouvelle. Pour le dire autrement, ce phénomène-là, si on a cette sélectivité,
On peut voir les verres à moitié pleins, le verre à moitié vide. Le verre à moitié plein, c'est logique qu'on ait de la chlordécone dans les secteurs où les cours d'eau amènent de la chlordécone. Le verre à moitié vide, c'est mais comment se fait-il que les sargasses ne se déplacent pas vers des secteurs où il y a de la chlordécone, où il n'y a pas de chlordécone, puisqu'on sait que dans certains cas, des courants pourraient rabattre, notamment en Guadeloupe, rabattre des sargasses contaminées vers des secteurs sans chlordécone. Donc on a fait deux expériences, une expérience in vitro, donc où là vous avez, donc là c'est juste la bibliographie de ma part, hein, on a croisé le PCF, le facteur de conservation, et le KOW, la tendance à de la chlordécone à se mettre dans de la tonale ou dans de l'eau, pour voir qu'en fait, là vous avez les secteurs où vous avez le carré qui se forme, hein, les deux espèces de rectangles qui se croisent. C'est là où on constate le KOW et le BCF, nous, vus durant l'étude, pour la chlordécone sur les sargasses. Donc les sargasses, a priori, n'ont pas une tendance particulièrement élevée, contrairement à l'arsenic, à accumuler de la chlordécone. Par contre, elles sont confrontées à une molécule qui est bien présente. Donc on voit donc, de façon... en même temps... Vous avez eu donc ici, on a mis de l'eau à 10 microgrammes par litre de chlordécone, et on a mis des sargasses à l'intérieur, et vous voyez que très rapidement, dès les premières minutes, on a vu l'accumulation de la chlordécone dans les sargasses. Donc là, vous avez un temps exprimé en heures, hein, vous voyez que dès le début en bas, on atteint quasiment la concentration maximale, on est lors du premier prélèvement à 4 heures. Donc on a vraiment une accumulation de la chlordécone qui est très rapide, pas forcément spécifique aux sargasses, puisque la chlordécone est une molécule qui s'absorbe beaucoup et sur n'importe quoi, y compris le verre. Mais mine de rien, ça augurait de pourquoi est-ce que les sargasses sont contaminées dans les secteurs chlordéconnés. Par contre, là on a fait la même chose, donc là on a pris des sargasses d'un secteur non contaminé à la chlordécone, on les a exposées dans un cours d'eau qui s'appelle la rivière du Galion, où il y avait de la chlordécone dans une concentration connue, et on a pu voir l'accumulation très rapide, et on a fait le phénomène inverse. On a pris des sargasses contaminées, justement dans la baie du Galion, et on les a mis dans un secteur non contaminé. Et là, on a vu que la chlordécone sourd, elle s'en va, des sargasses. Donc par rapport à la chlordécone, habituellement, on sait qu'on a une absorption qui est forte, mais a priori jamais réversible. Là, on a un phénomène qui est réversible, et c'est tout à fait inaccoutumé. On a quand même une désorption de 50% en une demi-journée. Donc ça veut dire que la chlordécone peut, sans jouer l'alarmiste, être sur des sargasses qui vont dériver d'un secteur non contaminé, là, exprimer sa chlordécone, enfin, les sargasses vont perdre leur chlordécone, et contaminer un secteur qui ne l'est pas. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Accessoirement, on a vu des prélèvements sur des îles comme Marie-Galante, où il y avait un tout petit peu de chlordécone dans les sargasses. Il n'y a jamais eu de chlordécone à Marie-Galante. Donc ça renvoie au fait que les radeaux de sargasses, repris par la dérive, peuvent étaler la zone chlordéconnelle. Bon, pas bonne nouvelle, donc. On a fait une étude également sur les sargasses stockées. Bon, je vais accélérer, parce que ça, j'arrive directement au résultat. Bref, hop, je vais vite. Donc par rapport à la... Bon, pour lire rapidement, je m'arrêtais juste au résultat sur les amendements. On voit d'abord que dans les amendements, au tout début, on a de l'arsenic 5, ce qui était attendu. Là, ici, vous avez deux mois à peu près de manip. Enfin, là, il y a un mois, mais on a continué sur le deuxième et ça donne le même résultat. D'ailleurs, la ligne rouge correspond à la norme que l'amendement ne doit pas dépasser. Les sargasses arrivent, bien évidemment, plus contaminées que la norme, mélangées à d'autres aspects, donc des déchets agricoles, des déchets verts, pour produire l'andin qui donnera après le terreau. On arrive à une concentration de départ qui est supérieure à ce qui est autorisé par la loi, mais rapidement, on voit une baisse forte dans les premiers jours, à la fois de la concentration totale en arsenic, mais également la concentration en arsenic 5. Laissant à penser que l'arsenic 5 devient l'arsenic 3, vous êtes dans des milieux très fortement anaérobie, enfin, très fortement hypoxique, et chaud. Donc, vous êtes dans une situation où l'activité bactérienne n'est pas du tout ralentie, et ça laisse à penser que, puisqu'à la fin, on n'a quasiment plus que les formes organes arséniels, on a eu une spéciation en organes arséniels importante. Or, les organes arséniels peuvent former... Alors,
Bon, je ralentis un petit peu. On s'est demandé si le lessivage, donc le fait qu'il pleuve sur les gros tas de sargasses mélangés au compost, au fusionnement de compost, pouvait justifier de ce départ. Pas du tout. On était dans un secteur, dans une période où il n'y a quasiment pas plu. C'était exceptionnel, on a eu beaucoup de chance. Donc là, c'est pas possible. On a fait quelques liens pour vérifier, c'était intenable. Et on avait le tas à côté, donc pour le tas de sargasses de 8 mètres cubes qui permettait de vérifier. Et en fait, c'était manifestement pas le cas. La volatilisation, là, on a effectivement des questions, puisqu'on est sur des températures de 65 degrés, 70 degrés. Et on a des formes organorséniennes qui peuvent commencer à s'évaporer, enfin, un boiling point à partir de 50 degrés, on va dire. Donc là, effectivement, on pourrait avoir eu un départ vers l'air, en fait, de l'arsenic. Donc ça demandera des travaux qui sont actuellement en train d'être finalisés par les Bernois dont je parlais. Et ensuite, on a la... Évidemment, j'ai l'impression que la série est en train de nous lâcher. Oui, c'est... Bah, oui, je pense que c'est le cas. On va voir si ça répond. Bon, flûte. Bon. Il n'y a plus de... Pardon ? Est-ce qu'avec le clavier là, peut-être ? Oui, c'est très juste. Oui, bingo. Donc, par rapport à la chlore arsenic, c'était plutôt, plutôt encourageant. Par rapport à la chlordécone, on a aussi vu cette baisse. Comme a dit un relecteur, il m'a dit, oh, c'est une baisse magique que vous avez. Bah, ouais, une baisse de chlordécone. Je passe les détails, ça peut, le fait qu'il y ait une baisse rapide au début, puis qu'après ça se calme, le fait que ça se calme peut être expliqué par des questions de aging. On n'a pas le temps d'expliquer ce que c'est que l'aging vraiment. Le lessivage, ben, même topo que ce qu'on a vu tout à l'heure. Volatilisation, on parle de la chlordécone, 350 degrés minimum pour la volatilisation, donc ça n'a pas l'air d'être tenable, pas l'air. On parle quand même d'une manip qui a duré longtemps. Après là, on est sur les premiers jours d'évaporation, donc peut-être qu'il faudra intégrer ça l'un dans l'autre. Ensuite, dégradation, et oui, là ce coup-ci, ce qu'on ne pouvait pas dire sur l'arsenic, on peut le dire sur la chlordécone. La chlordécone est une molécule organique, elle peut se dégrader, qui plus est, vous me dites 65-70 degrés, milieu anaérobie, et vous aurez compris pourquoi moi, spécialiste des micropolymères organiques, je me suis mis sur des sargasses. Parce que justement, d'après la littérature, ce sont des questions, enfin ces conditions-là sont celles théoriquement de dégradation de la chlordécone. Après Jacques Bonski est collaborateur. En 96. En fait, moi, quand j'ai accepté de porter ce projet, c'est justement, enfin, de mener ce projet, de le lancer, c'était justement parce que je me disais, mais bigre, là, nous avons le milieu parfait pour la dégradation de la chlordécone. Si là, ça ne dégrade pas, je ne vois pas où ça dégrade dans l'environnement. Donc, la suite au prochain numéro. Après, qu'est-ce qu'on peut recommander ? Mais, comme je vous ai dit, il va falloir récupérer plutôt que de les laisser couler, parce que si on laisse couler, on laisse couler l'arsenic. Et puis, on fait les dommages que vous avez vus sur les fonds. Si on récupère, c'est pas à la plage, enfin sur les plages, on récupère sur des barrages flottants. Donc ce coup-ci, avoir des vrais barrages flottants. Les privés sur place achètent à titre individuel ou collectif, par quartier, etc., se cotisent pour acheter des barrages flottants, je mets des gros guillemets dessus, qui sont en fait pas faits pour résister à un cyclone. Voilà. Ça vaudrait peut-être la peine que les services de l'État ou que les collectivités, que tout le monde se mette un petit peu les mains dans la main pour avoir des vrais bons gros barrages flottants. Excellent, le modèle de ceux qu'on pourrait retirer quand on sait qu'il y a un cyclone comme Irma qui arrive. Hein, bon, pour avoir vécu Irma et Maria, c'était pas cadeau. Donc là, typiquement, les barrages flottants, ils seraient arrachés, il n'y a pas de doute. Après, ça veut aussi dire qu'on peut avoir des barrages flottants retenants, mais on peut aussi avoir des barrages flottants rabattants, de façon à ce qu'on évite d'utiliser un sargateur flottant pour ramasser des sargasses par petit paquet de 5 mètres cubes, mais on peut peut-être consacrer une baie ou une partie de la côte à récupérer de façon fixe des sargasses, parce que les barrages flottants feraient un entonnoir qui finirait par une chenille asservie au sol, pas sur un bateau, et à une hauteur suffisante pour que juste derrière, il y ait des camions-bennes qui puissent se positionner et ramasser des sargasses à la clé. On a aussi la possibilité d'avoir des barrages flottants qui séquencerait la côte. Typiquement, je ne sais pas, la baie du Robert, c'est une baie qui finit par qui est un secteur où il y a assez peu, voire pas de chlordécone. Elle est finie par des îles, et juste à côté, la baie du Galion, qui est très contaminée.
Comme il s'agit de sargasses flottantes, on pourrait émettre des barrages flottants qui retiendraient les îles qui prolongent les caps, de façon à vraiment limiter la mobilité à la côte entre la baie du Galion où les sargasses vont se contaminer, dans un sens, baie du Galion, baie du Robert, où là pour le coup les sargasses pourraient contaminer aussi la baie du Robert.